Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo de déballage de produits. En effet, j'ai reçu par la poste donc la barre vidéo Android de Yealink, la A20, ainsi que son contrôleur tactile, le CTP18, que vous allez pouvoir utiliser sur la table pour pouvoir contrôler votre réunion. Donc, ce que je prépare pour vous aujourd'hui, c'est tout simplement le déballage du produit. On va aller ouvrir la boîte, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va la configurer bien évidemment pour Microsoft Teams. Donc, restez bien assis dans votre canapé et écoutez la petite musique.
Alors maintenant, commençons la configuration de la salle. Donc ici, sur la petite tablette, je vais mettre la langue. Donc on va choisir le français. Étape suivante. Ensuite, on me demande de mettre le time zone. Donc ici, Montréal, Eastern Time. On fait continuer. Ici, on demande si je veux activer la mise à jour automatique ou non. Pour l'instant, je vais mettre étape suivante. Donc, on remarquera quand même qu'il y a un petit problème concernant la langue. Donc, vous voyez ici que c'est en anglais, sauf que les boutons en bas sont en français. Suivant. On demande de choisir mon provider. Donc, ici, ça va être Microsoft Teams. On fait completed. OK. Encore là, il y a des mots en anglais. Et là, je vais être donc à la page d'enregistrement ou d'identification de la salle. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est que je vais tout simplement me connecter sur l'URL microsoft.com/device-login et puis on va aller entrer le code. Donc, il faut savoir qu'il y a les deux à configurer, donc l'écran et la petite tablette. Donc, je vais le faire sur mon laptop. Donc là, ça y est, vous voyez que l'équipement se connecte. Parfait, maintenant je vais connecter la petite tablette. Et donc là on voit que la tablette se connecte. Une fois que la tablette sera connectée, ça va nous demander de pairer la tablette et la barre. Donc on va attendre. Et voilà, donc on nous demande de pairer avec la meeting bar A20. On fait oui et puis on met le code qui s'affiche à l'écran. Donc 8 9 0 6 2 6 et on fait coupler. Et voilà, donc la barre Yealink A20 est configuré pour Microsoft Teams tout simplement. Alors afin de mettre à jour la barre et la tablette tactile, donc vous allez ici dans mettre à niveau et cliquez sur rechercher mise à jour. Donc si vous avez une mise à jour, vous allez pouvoir mettre à jour tout simplement directement de la tablette. Là on voit que la barre de collaboration est en train de se faire mettre à jour. On peut les voir également sur la barre elle-même. Vous avez une petite LED qui clignote orange. Donc ça, si jamais vous mettez à jour votre équipement, vous pourriez vous aider à voir avec la LED. Ouais. Alors maintenant, pour pouvoir se connecter sur la barre, sachez que la barre a une interface web, donc tout simplement faites https://, ainsi que l'adresse IP de la barre, et puis vous allez faire admin, et donc le mot de passe par défaut c'est 40, 1, 2, 3, 4, entrée. Ici donc vous avez plusieurs options, donc vous avez un statut, pour pouvoir voir le statut de la barre, elle est connectée au réseau.
qu'elle émet bien un hotspot Wi-Fi, donc c'est utilisé pour par exemple le partage via un dongle USB, donc on appelle le WPP30, que je vous montrerai un peu plus tard. Auxiliaire ici, donc microphone, la caméra, donc la statue de la caméra, et les devices. Donc ici on a la tablette qui est connectée. Ensuite, si on regarde côté réseau, donc on a le réseau Wi-Fi, le réseau câblé, les paramètres avancés, un diagnostic réseau, donc vous pouvez directement faire un ping ou un trace route à partir d'abord. Vous connectez un proxy. Au niveau du menu système, donc vous avez l'option basique. Donc vous pouvez choisir le sleep time. La date et l'heure. Donc on a déjà réglé lors de l'installation. Ici, vous allez pouvoir confirmer que le contrôleur, donc la petite tablette, est connectée. Vous allez pouvoir voir si un écran est connecté. Et s'il est connecté sur HDMI CEC, vous pouvez l'activer. L'audio. Donc, est-ce que l'audio est activé ou non? Vous avez auto ou choisir directement le microphone manuellement. Vous pouvez ajouter des options, donc Noise Barrier et puis Acoustic Shield. Le microphone ici, vous voyez qu'on a un microphone qui est connecté. On peut voir le pourcentage, le temps qui peut être utilisé pour un meeting et le temps au repos. Le mode pour la caméra. Si on veut faire un backup, donc import-export de la configuration. Le fournisseur de service. Donc ici, on est activé par défaut pour Microsoft Teams. Notez que ici, j'ai dû me connecter pour pouvoir connecter donc, ou activer cette option. Donc, Device Mode Enable. C'est pour pouvoir en fait brancher la WPP30 et donc activer le Wireless Sharing. Donc, je vous montrerai ça. Mettre à jour. Donc, vous pouvez valider s'il y a une mise à jour et puis la mettre directement à jour ici. Auto-provisioning, diagnostic des systèmes et fonctionnalités avancées. Au niveau de la sécurité, donc on a le password si on veut changer le password par défaut. Certificat si on doit rajouter des certificats de l'entreprise. Serveur certificat, donc si on veut rajouter des autorités de certificat et des certificats clients. Donc ça fait à peu près le tour du menu.